Du coup, il est 7h30 et il fait encore nuit. Regarde, il était tout là-bas. On a fait un très très long trajet et nous sommes arrivés et le trajet oh, ça va, arrête. Donc on a fait un très très long trajet, ouais, et tellement long, on s'est perdu. On est arrivé à Mende et mon portable n'avait pas le GPS qui fonctionne bien, disons que ça ne trouvait pas le signal. Merci, ouais, je vais en prendre un. Et ça ne trouvait pas le signal. Alors du coup, on a vachement tourné, oui. Viré. Tourné, galéré. On a vachement galéré, c'est je clair. Je galère comme ça. Et le truc, c'est que y a la voiture, je me suis rendu compte. Je suis dans le champ. La voiture, je viens de l'acheter. Et dans le GPS, à chaque fois, on était dans un champ où on était sorti de la route. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas ça que je raconte. La voiture en plus, moi j'ai mis. J'ai pas mis de chauffage, c'est ça que je veux dire. Attends. Bon, oui, il n'y a pas de chauffage. Il y en a un petit peu, mais attendez. Et en plus, j'avais choisi de mettre la voiture en rouge comme ma voiture. C'était sur le GPS. Très bizarre. Oui, on a changé la voiture. Sur le GPS, en fait, il y a possibilité de mettre une petite voiture. Kylian a mis une petite voiture rouge, donc ça le faisait marrer, ça le faisait penser à notre voiture. Une knacki par personne, oui. On veut plus? Bah oui, deux. Mais... T'as vu? C'est un scandale. Ah, ben... Attends,
3. Que 5, 6, 7. Huit allumettes. Hop. Donc, on a fait cette randonnée. Ouais, c'était claquant. Ouais, elle était plutôt difficile en fait. Au début, tu fais que de la descente et à la fin, c'est que de la montée. C'est bon, tout ce qui se descend doit se remonter. Et du coup, on a senti passer. Pourtant, c'était que 5 km. Mais on n'est pas trop des dingues de randonnée. Parce qu'on y a été resté. Et puis, on s'est trouvé ce petit endroit, un peu près de la route. Oui, mais au moins on sera protégé. Hein. Mais dans la nuit, il n'y aura pas de voiture, je pense. Ouais, on pourra faire un feu de camp, enfin si on a le droit. Mais on ne fera pas de feu de camp. Pourquoi? On pourrait. Et Kylian, il a eu une super idée parce que il y avait des espèces de rochers qui faisaient comme un petit coffre, un petit abri. Et du coup, on a calé la tente dedans. Et ce qui fait qu'on va être plutôt à l'abri du vent. On a mis également la voiture aussi sur le côté. Donc ça protège. Ouais, je pense que ce sera plutôt chouette. Et le lendemain matin, on va déplacer la tente et ensuite on aura un sorte de petit jardin. Ouais, on aura un petit abri aussi. Et puis Knackis avec des faillots à la tomate. Kylian a choisi le menu, donc c'est knackis, faillots tomate et faillots à la tomate. Il faut reprendre des forces parce qu'il fait froid et que demain on a deux encore deux knackis quand même, hein. Deux. On a encore beaucoup d'aventures demain. Oui, beaucoup. Le mont Lozère. Oui, le mont Lozère, on va voir. Je suis vraiment super contente de faire ces quelques jours un petit peu off. Parce que c'est vrai que pendant les vacances, on a un petit peu abusé des écrans. On avait également un petit peu abusé des bonbons. Et là, c'est vrai qu'au magasin, avec l'approche de Noël, la tentation de encore abuser était grande. Et j'ai préparé des trucs un petit peu sains. Il y avait des doudous aux mangas. Oui, il y avait des doudous aux mangas. Avec quatre pattes. C'était bizarre. En fait, c'est leurs deux jambes et les deux bras. Ils les ont mis au même endroit. Mais pourquoi, du coup, leurs yeux, ils sont là? C'est pour rigoler. S'il faut, c'est pas un omangas. S'il faut, c'est un poulpe. Une méduse. Une méduse en omangas. C'est un croisement entre une méduse et un omangas. Et ici, je voulais dire, ah oui, voilà, c'est ça. On avait grave abusé un petit peu sur la nourriture, un petit peu sur les écrans. Et du coup, ça va être une chouette occasion de se reconnecter un petit peu à la nature. Une étoile. Et de manger, ah oui, la première étoile. La première étoile. Et de manger un petit peu plus sain. Sain. Et malheureusement... Malheureusement, Bastien ne nous a pas accompagnés, n'est-ce pas? Oui. Et parce qu'il fallait que... Parce qu'il ne voulait pas manger ça. Bon, si, il mange toujours ça. Non, il fallait quelqu'un pour garder Matou Matu Vu. Oui, Matout, c'est-à-dire Chatou. Voilà, c'est ça. Notre chat noir, qui porte normalement malheur, mais vu qu'il a tout au bout de la queue blanc, oui, et un petit peu sous le cou blanc, oui, donc du coup, il porte pas beaucoup. Voilà, non. Bon, si, il porte un petit peu malheur quand il nous attaque, parce qu'en fait, dès qu'on lui donne pas à manger, il nous attaque. Ouais, il a un caractère bien à lui. Oui, voilà, il adore le pâté. Il adore le pâté. Ce soir, c'est la nuit noire, il n'y aura pas de lune. Oui, pas de lune. Donc, super. On va voir si on a la pétoche. Oui, la pétoche avec les loups. On va leur faire aouh. Sachant qu'on vient de traverser le Gévaudan. Ça met en confiance. En confiance. En confiance. Bon, allez, je pense que ça va être pas mal. Là, ça commence à mais bouillir. Elle patine. Il fait déjà demain.
Le magazine c'est de la déjà famille, demain. Chaque après-midi, sur France Bleu. Bonjour. Et, Sophie Carpeur. Ça ne vous a pas échappé, les tout petits passent déjà vendredi devant les écrans. Avec quels impacts sur leur développement et quel potentiel? Comment doser le temps passé devant un écran? Ce sont les questions que nous nous poserons dans C'est déjà demain. T'entends, et bien sûr, combien de temps passons-nous devant les écrans? C'est déjà demain. Le magazine du mieux sur grand famille. Demain sur France Bleu. Dès 15h. Au plus proche de vous, France Bleu, connecté à votre région. Mais pourquoi tu fais que cette blague? J'ai déjà fait cette blague. Quand? Il y a presque pas de limite. Je t'ai dit knacker? Oui. Dès que la cuillère elle était là. C'est vrai? Ça sent la knacker. J'aime bien cette odeur. Ça se marie bien avec la compagnie. Tellement de vent, c'est truc de dingue. T'as senti cette nuit? Ça faisait bouger la voiture tellement il y avait du vent. Ah non. J'ai juste entendu. Ouais, en plus du bruit que ça fait. Et le problème, c'est ça, c'est comme quand on est près des pins. Les pins, ça fait vachement de bruit dès qu'il y a du vent. C'était pas un bon spot pour dormir finalement. Bon ben, on a pas trop mal dormi non plus dans la voiture. Moi aussi, je crois qu'il a pris un goût. Bon, moi, je suis encore un petit peu plus. S'il faut, le lait, il a tourné. Il me paraît bizarre parce qu'il faisait vachement froid. Ou alors, c'est son goût. C'est juste qu'on n'aime plus le candiup chaud. Souvent, on le boit froid, le candiup. Oh, ça fait du bien de boire un truc chaud quand même. Oui, mais peut-être que c'est ça aussi qui fait changer le goût. Non, je crois que c'est parce que on n'a pas l'habitude du goût du candiup. Chaud. C'est ça. Une trempée. Ah bah c'est censé être un biscuit croustillant. Bon, il est croustillant, hein, mais... On dormait mieux dans la Twingo ou dans celle-là? Dans la Twin. Ouais. Mais tu t'es pas trop réveillée quand même. Si, je me suis réveillée une fois, mais t'étais en train de faire dodo, donc je me suis en train. Moi je me suis réveillée plein de fois mais je me suis rendormie vraiment facilement. Donc, ça va. On voit rien.
de cœur pour le lac. Je pense que j'y retournerai à une autre saison. Attention. Le drame. Je pense qu'on y retournera au printemps. Qu'est-ce qu'on pense? Au printemps, ce sera mieux. Parce que là, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais en fait... Il neige. Voilà, il neige. Il neige et ça caille pas mal. Et bah du coup, on mange dans la voiture, hein, y a pas trop le choix, on s'abrite. Et je sais pas trop ce que je voulais dire. Tu te rappelles plus? Non, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Bah alors mange tes knacks. Ouais. Mmh. Ah ouais, tiens. L'avantage quand il fait froid comme ça, c'est que pas besoin de frigo, tout se conserve bien. Pas besoin de frigo ou glacière. Moi, c'est vrai que c'est moins confortable. Je sais pas si on te verra derrière la couette. Nam nam. C'est pas très grave. Ça fait du bien manger. On fait du bien manger du chaud. Mieux.